une facilité de com sur la thématique de la reconstruction. Et voilà, donc c'est là où je voulais en venir. Et c'est une facilité. Il y a en effet ce fil un peu douteuse et peu efficace. Voilà, il file la métaphore de bâtisson. Et en même temps, c'est un peu récurrent parce que vous avez remarqué aussi que quelques minutes plus tard, il nous dit « Ah, ne soyez pas impatients, les réponses viendront en temps utile, mais pas tout de suite. Pourquoi ne viennent-elles pas en temps tout de suite ?» Donc moi, je veux bien bâtir, mais elle est où la boîte à outils ? En termes de discours, je veux dire, mélanger même de manière tout à fait, à un moment donné, de quelques secondes, mélanger le débat national avec Notre-Dame de Paris, c'est extrêmement limite. Je ne sais pas qui s'occupe de sa communication, mais... Bah si on sait maintenant. c'est terrifiant, quoi, des erreurs comme ça. Il y a tout, il y a le lieu, le ton et l'allusion au grand débat, alors qu'on en parlait de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Non, mais franchement... En plus, il apparaît sur la défensive quand il parle aussi lentement. Il devrait comprendre que le fait d'être jeune n'est pas un problème, c'est un atout. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, c'est un peu pour ça qu'il a été élu. Et depuis qu'il est élu et qu'il s'exprime à l'Élysée, il ralentit son discours, peut-être pour gagner, je ne sais pas, donner l'impression qu'il a 50 ans, mais ce n'est pas la peine. Personne ne lui demande ça. En tout cas, son intervention, je dirais deux choses. Il y a d'abord déjà la voix. Moi, j'avoue qu'on ne peut pas parler comme le général de Gaulle quand on n'est pas le général de Gaulle. Il faut laisser ça aux autres. Deuxièmement, moi, je considère qu'une intervention de l'Élysée, c'est uniquement sur des problèmes politiques ou internationaux. Donc cette intervention, il devait la faire devant Notre-Dame de Paris. Comme il l'a fait lundi soir. Comme il l'a fait, prendre son temps, prendre les 5 à 6 minutes qu'il a pris là, ce qui lui aurait permis de rappeler peut-être les origines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église, qu'il n'a pas fait hier soir, et ensuite de parler de ce monument national. C'était cet endroit-là qu'il fallait choisir.